It's about lockpicking, and it's realized by two guys fond of lockpicking. Lockpicking is the art of hacking real locks. So we are still thinking, why is that conference in the planning? But we found very interesting because it's a new way of hacking physical devices. So I would like you please to applaud our speakers about lockpicking. Principalement, qui est un expert en ouverture de cylindres haute sécurité, tout ce que vous voyez sur internet qui est marqué incrochetable, breveté, impossible à ouvrir, c'est lui qui s'en occupe en général. Accessoirement, il a fait des études de serrurerie, mais il en a plus appris aux mecs, aux profs et autres que l'inverse, à mon avis. Pour ma part, Mister Jack, je m'appelle Alexandre, je travaille dans l'industrie de la serrurerie et je donne des cours et des formations d'ouverture fine sur tout type de méthodes globalement avancées d'ouverture sur tout type de serrure. Alors, qu'est-ce qu'un organigramme et pourquoi est-ce que je voudrais faire un pass général? Ouais, donc qu'est-ce qu'un organigramme? Donc un organigramme, c'est un système fait pyramidal. Donc il est chapeauté par un passe général, donc généralement c'est le patron qui l'a, qui permet d'ouvrir toutes les pièces, tous les locaux. Et chaque loco a une clé. Donc ouais, donc voilà, en fait, un organigramme, vous en trouvez partout, aussi bien dans un hôtel, dans vos bureaux, si vous êtes dans une chambre étudiante, vous avez une clé qui ouvre que votre chambre, mais évidemment, le responsable technique, la femme de ménage ou autre dans les bureaux va pouvoir ouvrir toutes les portes. Donc on va voir qu'on peut fabriquer assez facilement le pass général qui ouvre toutes les portes de l'organigramme. Donc, avant de parler vraiment comment on fait un pass général, on va voir quelques termes. Bon, le but n'est pas de tout voir ici, mais simplement de se rendre compte comment fonctionne une serrure. La plupart d'entre vous étaient peut-être déjà là dans les dernières conférences ou ont déjà vu comment fonctionne une serrure. Le but simplement, c'est d'aligner. Vous avez en fait à l'intérieur d'une serrure deux parties, une goupille active qui est en contact avec la clé, donc ici, et une goupille passive qui n'est pas en contact avec la clé, mais il va falloir aligner la césure entre ces deux goupilles avec la césure entre la partie qui tourne et la partie fixe de la serrure. Bon, j'espère que c'est assez clair, c'est pas très compliqué, vous allez voir après, de toute façon il y a d'autres schémas. Alors, petit plan de cette conférence, on va voir le cas général, les clés que vous voyez le plus souvent, les clés à dents, les clés plates, ce que vous avez sur les cadenas, sur 80% des serrures, on va donc c'est les clés de boîte aux lettres, etc. Et on va voir après, donc évidemment là-dedans, on va voir ce que c'est, comment ça marche et comment on peut faire le pass. Et après, on va voir deux modèles de clés qui sont un peu moins courants mais qui se retrouvent régulièrement, donc c'est intéressant de les connaître. C'est un peu plus sécurisé, mais bon, c'est pas toujours suffisant. Et on va voir également comment se protéger, voir qu'est-ce qui fait qu'un modèle est meilleur qu'un autre. Ouais, donc c'est très difficile de reconnaître sur les deux clés ici. Alors par exemple, ici on a la clé, bon, la clé d'utilisateur. Il n'y a aucun repère. Alors, il n'y a aucun repère. Aucune marque, comme quoi c'est la clé du utilisateur, par exemple du local 1. Dessous, on a la clé du pass, donc il y a vraiment, au niveau de la combinaison, il n'y a rien à voir. Donc visuellement, on ne peut pas les différencier. On peut voir qu'elles sont différentes, mais on ne peut pas savoir, au premier coup d'œil, quel est le pass.
Donc là, en fait, la différence, c'est au niveau des serrures, c'est pas au niveau des clés. Les clés, elles ont l'air toutes semblables. Là, on va voir. Donc là, c'est une serrure qui est découpée, vue de profil. Et donc, vous voyez ici les coupures entre les goupilles, donc les pistons qui sont à l'intérieur de la serrure. Et si vous regardez bien ici, vous voyez qu'il y a un piston ici qui fait à peu près 1 mm. C'est un piston supplémentaire qui permet d'avoir plusieurs combinaisons dans une même serrure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir avec plusieurs clés différentes. Donc là, il n'y a pas de clé. Ici, on met la clé utilisateur. Donc on voit qu'ici, il y a un piston qui fait à peu près 2 mm qui passe en dessous de la ligne de césure. Et ici, on a deux petits pistons qui sont au-dessous. Donc la clé fonctionne, ça tourne. Si on met la clé de passe, à l'inverse, ici le piston qui fait 2 mm, il est au-dessus de la ligne de césure et les deux petits pistons, ils sont en dessous. Donc en fait, cette serrure peut être ouverte par deux clés différentes. Voilà. Et si on met une mauvaise clé, on voit que ce n'est pas aligné. Ici, vous avez un piston qui n'est pas du tout aligné, donc la clé ne pourra pas ouvrir. C'est pas la même clé du tout. Alors, qu'est-ce que ça implique? Dans toutes les serrures d'un organigramme, il y a la combinaison du pass général. Ça veut dire que même le local poubelle qui est au fond de la cour, il contient la combinaison qui va permettre d'ouvrir la salle des coffres, qui va permettre d'ouvrir la salle des serveurs, qui va permettre d'ouvrir la salle de direction. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de noter sur les serrures, c'est que contrairement à la plupart des logiciels et des systèmes de sécurité en informatique, sauf ceux qui sont open source, le reverse engineering n'est pas toujours évident en informatique, alors qu'en serrurerie, vous prenez au pire une meuleuse, une grenelle, une bonne scie à l'étau, vous arrivez toujours à démonter une serrure et à voir ce qu'il y a dedans. Même une pince à circuit, des fois c'est des vis, des fois c'est des goupilles, une simple chaise goupille. Là par exemple, j'ai pris une chaise goupille pour les ouvrir. Donc, on voit que ça a la portée de n'importe quel bricoleur de pouvoir faire du reverse engineering sur les serrures et de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc là, on va voir la première faille. On considère que l'attaquant n'a aucune clé. Il arrive, par exemple, il veut un espion qui veut cambrioler ou qui veut choper des informations sur une entreprise. Et donc, il est extérieur, il n'a aucune clé. Comment il peut faire pour fabriquer le pass général du bâtiment? Donc, sur les images, on a l'autopsie. Donc, on peut comparer ça en sécurité informatique avec le reverse engineering. En fait, ça consiste à décompiler toute la serrure, donc la démonter, et voir ce qu'elle a dans le coup, en quelque sorte. Donc, j'ai pris deux cylindres. Donc, sur la démonstration qui va venir après, vous verrez que j'ai utilisé les mêmes cylindres. Donc j'ai démonté un cylindre A. Vous voyez que en haut à gauche, ici, on a une première combinaison, donc une première ligne de césure repérée en rouge ici. Mais on a aussi une autre combinaison, donc celle du pass, qui sera commune à la combinaison de la serrure P. Donc là, on a la combinaison de la clé et on va retrouver une combinaison commune, donc celle du pass. Il suffit pour un attaquant de démonter deux ou plusieurs cylindres, les deux en général ça suffit, et de retrouver en fait la combinaison qui est commune aux deux, puisque c'est la seule combinaison qui est commune à tous les cylindres de l'organigramme, aussi bien, comme je disais, le local poubelle que le bureau de direction. Donc là, on parle un tout petit peu de forensique. Pour dire qu'une attaque comme ça, elle peut être détectée, parce que si un matin on se rend compte que le local poubelle n'a plus de serrure, c'est quand même assez bizarre, il peut y avoir eu une effraction, quelque chose, mais qu'il y ait juste une serrure de volée, il faut se poser une question. Là, dans un cas comme ça, il y a au moins deux serrures de volée, donc il y a vraiment des questions à se poser, et on peut essayer de faire quelque chose avant de se faire complètement pirater, voler les infos, ou cambrioler l'autre. Je tiens à dire, j'ai acheté des serrures. Hein. Là, vous allez voir, c'est des serrures. Alors, c'était la serrure de la boîte aux lettres de Cocolito, c'est la serrure de ma boîte aux lettres, bien entendu, que nous avons démontée et nous nous sommes rendus compte que dans nos deux serrures, il existait, par inadvertance, comme ça, on ne savait pas, une combinaison commune. On s'est dit, bah tiens, c'est pratique, comme ça, il peut aller relever le courrier chez moi quand je suis pas là, etc. Alors,
la faille suivante, là on considère que l'attaquant a une clé. Donc c'est le genre de situation où il y a un stagiaire, on verra par exemple quelqu'un qui dort dans une chambre d'hôtel, qui a évidemment la clé de sa chambre, ou une entreprise qui loue une salle de conférence, par exemple, qui a donc la clé de la salle de conférence. Ce genre de situation où on a une clé et on a légitimement accès à un cylindre, celui qui est installé sur sa propre porte. Donc rien ne vous empêche que vous êtes à l'hôtel. Bon, après, légalement, c'est certainement discutable, mais admettons. En tout cas, un attaquant qui en veut pourra facilement démonter son cylindre, démonter tous les éléments qu'il y a à l'intérieur et se rendre compte qu'il y a deux combinaisons dans sa serrure, évidemment la combinaison de sa clé, et une deuxième combinaison qui, en toute logique, va être la combinaison du passe-partout qui ouvre tous les autres logos. Petite remarque à part. J'ai longtemps répété que la serrurerie et le codage sont très très proches. Donc je vais faire un petit aparté. Donc la combinaison de cette serrure, la serrure A, on peut repérer une goupille en taille numéro 7. Vous voyez ? Là, on a trois goupilles en taille 5. Bizarrement, il y a une correspondance. Et deux goupilles en taille 1. C'est-à-dire que la taille 9 sera en position maximale. Je ne sais pas si vous surfez, mais sur le net, on parle souvent de clés taillées en 9. Les bunky, je ne sais pas si vous avez ça. Ouais. Eh bien, c'est des tailles qui sont c'est clés taillées au maximum. Alors, donc là, on va avoir une démo de fabrication d'une clé de passe à partir d'une clé utilisateur. Donc là, c'est la clé de ma boîte aux lettres que j'ai prêtée à Cofamitos pour qu'il puisse fabriquer une clé qui va également permettre d'ouvrir sa boîte aux lettres. Comme ça, on pourra se rendre service d'un autre. Et là, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la façon dont ça a été conçu n'est pas tout à fait intelligente, dans le sens où on peut modifier une clé existante pour devenir le pass. Il y a d'autres situations, quand c'est un peu mieux fait, où on ne peut pas la modifier. Il faut trouver une clé vierge, il faut fabriquer quelque chose qui va remplacer la clé vierge. Mais là, c'est tellement simple, entre guillemets, qu'on peut modifier la clé utilisateur. Donc là, simplement, en modifiant la combinaison de la clé, il va pouvoir faire une clé qui ouvre les deux serrures. Si tout se passe bien. Donc tout ça pour vous montrer que c'est vraiment la portée de n'importe qui, quel que soit l'attaquant, quelle que soit la volonté. Il suffit d'acheter une lime à casse-nou et on peut modifier soi-même sa clé. On la modifie. Et obtenir un passe bien.
Alors, à tout le monde, je dédicace cette clé à Frim, qui a récemment perdu sa clé. Donc, je lui lègue. Freeman, si tu nous entends, ça te plaît pour toi. Pour démarrer, disons une clé qui va être 3, 1, 2, 7, 1.
et on essaye dans la serrure qui est la serrure de votre bureau. Donc le matin, vous arrivez, vous rentrez cette clé de test, vous essayez, si elle tourne, vous entrez, si elle ne tourne pas, vous faites comme si vous étiez trompé de clé, vous essayez votre clé à vous, vous savez qu'elle marche, vous rentrez. Comme ça, ni vu ni connu. Dans cette situation, la clé avec un 1 à la fin va fonctionner, parce qu'on est sur un code de passe avec un 1 à la fin. Dans le doute, vous pouvez essayer avec le code numéro 2 à la fin, le 1, le code numéro 3, évidemment c'est votre clé habituelle dans cette rubrique, le 4, le 5, etc. Vous allez vous rendre compte, sans même démonter la serrure, qu'à l'intérieur de votre serrure, il existe le code 3 et le code 1. Vous continuez, vous fabriquez une clé 3, 1, 2, 1, 3, et vous l'essayez. Ici, on a un 5, on va voir que la clé ne va pas ouvrir. Vous revenez le lendemain, donc vous modifiez votre clé, et vous mettez le code 2. Vous revenez, ça ne fonctionne pas, vous réessayez le code 3, le code 4, le code 5, et le code 5, vous allez voir que ça ouvre. Vous dites, tiens, moi, ma clé, c'est un code 7, mais le code 5 fonctionne également. Donc vous notez, dans la serrure, il existe le code 7 et le code 5. Une fois que vous avez fait ça pour toutes les goupilles, vous vous rendez compte qu'il existe plusieurs clés qui ouvrent votre serrure. Et en l'occurrence, comme à la situation précédente, c'est exactement comme si vous l'aviez démonté, mais vous n'avez rien touché, vous n'avez pas utilisé d'outils sur place, vous avez utilisé 5 secondes de votre temps à chaque fois, donc c'est quasiment impossible de voir ce que vous avez fait. Et c'est pareil, vous prenez la combinaison qui n'est pas votre clé. En l'occurrence, vous allez voir que le 3, le 5, le 2, le 5 et le 1 ouvrent, alors qu'ils ne correspondent pas à votre clé, sauf un 3 ici, donc vous gardez la même, et tous les autres, vous pouvez fabriquer directement le passe-partout. Alors, après, évidemment, à tester sur plusieurs cylindres pour voir si c'est effectivement passe, mais il n'y a aucune raison, parce que de toute façon, si ça n'est pas votre clé, c'est la clé qui ouvre les, tous les cylindres. Et comme on l'a dit, la combinaison du passe était dans tous les cylindres, nécessairement, c'est cette combinaison que vous avez retrouvée. Alors, ça, c'était le cas général, avec une faille que l'on retrouve dans toutes les serrures que vous pourriez imaginer, là où vous travaillez, là où vous allez en vacances, là où vous allez à l'hôtel. Aucune ne fait exception. Mais il y a des cas où c'est encore plus facile. Souvent, les fabricants vont faire une clé de passe qui est très très peu taillée. Alors, ils n'ont quasiment pas enlevé de matière. C'est beaucoup plus facile pour monter les cylindres. Il y a 500 cylindres à monter. Les personnes à l'usine qui vont monter les cylindres vont avoir beaucoup plus facile à fabriquer des serrures avec une passe qui est très très peu taillée. Sauf que, qu'est-ce que ça implique pour nous, au niveau de la sécurité, c'est que c'est beaucoup plus facile à cracher. C'est que c'est beaucoup plus facile de faire de l'impression. L'impression, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent ce que c'est comme technique. C'est une technique qui permet de fabriquer une clé à partir d'une clé vierge. On va venir insérer dans la serrure, bouger un petit peu, ressortir, limer un peu, remettre, etc. Je ne vais pas expliquer la technique, mais c'est une technique qui permet de fabriquer des clés. On en fera pour le workshop si vous voulez. Et si on sait que sur une marque en particulier, parce qu'il y a des marques qui aiment bien mettre des failles régulièrement, parce qu'ils sont assez payants, si on sait qu'une certaine marque est habituelle de ce genre de faille, et bien il suffit de démonter un seul cylindre sur cet organigramme, même si on n'a aucune clé, et on se dit simplement qu'on prend la combinaison qui est la plus basse, la moins taillée, et on aura immédiatement le passe. A l'inverse, il y a des fabricants qui vont faire une clé qui est la plus taillée de toutes les clés de l'organigramme. S'il y a 1000 clés différentes, celle qui est la plus profonde, c'est le passe général. Tout ça, c'est pour la même raison. C'est plus facile à monter, que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est plus facile. Par contre, en source de serrure, la technique que Alexandre a expliquée fonctionne. La technique de tout à l'heure, enfin toutes les autres techniques fonctionnent aussi, mais là, c'est des cas où c'est encore plus facile. Vous avez vu que c'était déjà pas très dur. Qu'est-ce que ça change? C'est facile à projeter, puisque vous avez une combinaison qui est très profonde mais qui est très plate également en général, puisque vous avez une combinaison 7-8, 7-8, 7-8, tout comme ça, donc pas très compliqué. Une faille qui est plus importante également, c'est que n'importe quelle clé peut être modifiée pour devenir un passe-partout. Vous avez des situations où on ne peut pas trouver de clé vierge, donc si vous ne pouvez pas modifier votre clé pour devenir un passe, vous êtes obligé soit de fabriquer des clés vierges, soit d'en obtenir au marché noir, soit voilà. Dans cette situation, même une clé hyper compliquée à avoir au marché noir, ça pose aucun problème puisque votre clé peut devenir un passe. Donc c'est vraiment une escalade de privilège. Et la même chose, en démontant un seul cylindre, vous allez pouvoir fabriquer le passe si vous savez qu'une marque est habituelle de ce genre de faille.
Dernier élément qui peut changer les choses aussi, si vous arrivez, si la tato arrive à obtenir une photo du pass général, souvent c'est assez facile, il suffit quand on est stagiaire de dire bah tiens, je suis le directeur, si vous voulez, je vais aller récupérer les rapports sur votre bureau, voilà, ça se donc le mec va évidemment passer son passe en disant tu reviens vite, oui bien sûr, et un petit coup de photo avec le téléphone ou autre, même une photo un peu floue, ça peut peut-être pas permettre de fabriquer la clé directement à partir de la photo. Par contre, une fois que le cylindre est démonté, si son stagiaire vole un cylindre toujours dans le local poubelle, il va pouvoir le démonter et voir quelle est la combinaison qui se rapproche le plus du pass. Et à ce moment-là, il n'a pas de complications pour fabriquer le pass. Ou il est possible, quand on a pas mal d'expérience, de même décoder visuellement le pass. Donc comme on l'a montré tout à l'heure, c'est assez simple. Bah, donc là, c'est vraiment la situation où c'est encore plus facile de fabriquer des passeports. Alors, là, on a parlé du cas général. C'est 80% des serrures que vous avez probablement sur votre trousseau. Donc, je vous dis toujours, quand on va à l'hôtel, au travail, vous allez en centre de vacances, vous allez un peu partout, vous allez retrouver des clés à dents. Et qui fonctionnent sur le principe que je viens d'expliquer. Vous avez des cas un peu différents où le fonctionnement de l'organigramme, il va être au niveau de la clé. On va voir que la clé de passe générale est vraiment différente des autres clés. C'est le cas, par exemple, des systèmes qu'on appelle utilisant des multiprofils, où là, le passe général que vous voyez ici, en fait, ça, c'est le trou de la serrure, vous voyez qu'il est très fin, à l'opposé de toutes les serrures qui vont être les serrures de bureau, par exemple, qui sont beaucoup plus grosses. Et donc, on voit bien que la clé qui est là ne rentrera jamais dans cette serrure-là. Par contre, le pass, lui, il va rentrer partout. Donc dans ce genre de situation, il arrive que toutes les serrures aient exactement les mêmes dents, mais la différence va se faire au niveau du profil d'entrée dans la serrure. Donc à ce moment-là, si vous pouvez modifier votre clé en la rendant plus fine, ou en recopiant la combinaison sur un bout de claquement, un bout de ferraille très fin, vous allez pouvoir rentrer un peu partout. Alors là, c'est le cas le pire où tout est sur la même combinaison. Des fois, il n'y a que les passes qui sont sur la même combinaison. Vous avez par exemple le pass technique, le pass informatique, le pass évidemment le pass général, le pass femme de ménage qui sont sur la même combinaison. Et si vous êtes une des personnes qui a accès à l'un de ces passes, vous allez pouvoir faire une escalade de privilèges en modifiant votre clé. Et il y a même un cas assez fréquent. Ça, ce sont des clés qui sont copiables toutes les minutes. Si vous amenez la clé de votre propre bureau toutes les minutes, le clé minute va généralement pas stocker tous ces modèles de clés, c'est basique, c'est une question de stock et d'argent. Il va avoir uniquement un modèle qui n'est pas interdit d'avoir et qui va se dire je ne vais pas en aller, je prends ce modèle-là. Quand il va copier votre clé, au lieu d'ouvrir uniquement votre bureau, il va commencer à ouvrir peut-être le bureau du voisin, peut-être le bureau de direction, peut-être une salle informatique. Donc ça, c'est des failles évidemment qu'on peut éviter en connaissant le système et qu'on peut exploiter. Les connaissants aussi, si on vient d'attaquant, si on fait un test d'intrusion. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, les systèmes, donc les serrures qui ont les mêmes combinaisons, ou alors au moins les passes les plus importants qui ont les mêmes combinaisons. Et encore une fois, c'est une question d'argent et fainéantise de fabricants, c'est pour se simplifier la vie au niveau de la fabrication. Alors, des fois, les fabricants, sur des organigrammes, afin d'avoir plus de possibilités, souvent c'est un très gros organigramme, utilise le profil, le multiprofil et les combinaisons. Donc voilà, petit aparté. Alors un fabricant peut décider, pour se simplifier la vie, d'attribuer, par exemple, ce profil-là à tout le bâtiment-là, de faire un organigramme sur ce bâtiment, le profil-là sur le bâtiment B, le profil-là sur le bâtiment C, etc. Ce qui veut dire que si on copie une des clés sur un meilleur profil, on va peut-être pas pouvoir ouvrir tout le bâtiment où on est, mais on va pouvoir ouvrir par hasard la porte d'un autre bâtiment, sur un bureau, quelque chose, etc. Donc là-bas, c'est pas prévu de fonctionner comme ça. Un autre cas particulier, qui ne sont pas les clés les plus importantes, vous avez des clés à trous, qui sont des clés relativement complexes, si vous regardez votre trousseau, vous avez certainement des clés avec une multitude de trous, entre 15 et 20 trous minimum. Ces systèmes-là, il y a tellement peu de place à l'intérieur du bottom,
du système. Ici, vous voyez, il n'y a pas la place pour mettre plusieurs combinaisons dans une seule chambre. Ici, on ne peut pas mettre des séparateurs comme il y avait tout à l'heure, des petites pastilles supplémentaires. Donc en réalité, on va mettre moins d'éléments dans une cellule. Si on considère qu'elle peut en contenir 15, on va peut-être en mettre que 10. Et on va alterner, on en enlève 5 dans une, dans celle d'à côté on enlève 5 mais pas les mêmes, mais à chaque fois la combinaison est la même, et c'est le cas général qui contient toutes les combinaisons en même temps. Donc là la différence elle est vraiment au niveau de la clé, puisque là vous voyez une clé de passe qui a plusieurs trous qui sont collés les uns aux autres. En réalité, dans la serrure, il n'y a pas de boucles qui sont collées. C'est vraiment, cette clé-là permet d'ouvrir deux serrures complètement différentes. On ne pourrait peut-être même pas voir que les deux serrures sont reliées. A l'inverse des autres systèmes, vous n'avez pas, dans un cylindre, vous n'avez pas la combinaison du passe-partout. Pour avoir la combinaison du passe-partout, vous êtes obligé d'avoir une multitude de cylindres, voire tous les cylindres pour obtenir le passe. Donc après, il y a d'autres failles qui existent, mais enfin, on n'a pas prévu d'en parler aujourd'hui, parce que ça serait encore une conférence un peu longue. Mais c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que c'est des serrures qui sont haute sécurité, qui sont commandés dans le cadre d'applications évidemment plus sensibles. Alors, donc les contre-mesures, donc des clés brevetées. Les brevetées donc incluent fait, souvent le brevet d'un mobile, un élément amovible. Un élément amovible donc, qui va rendre la clé brevetée, donc incopiable. Protégé pardon, contre la copie et donc va garantir une bonne sécurité contre la copie. Pareil, des clés qui sont peut-être pas postées mais qui sont difficiles à copier, si vous êtes obligé d'aller acheter des clés vierges à 50 euros de pièce pour pouvoir décoller si vous avez besoin de 10 clés vierges, etc., ça peut ralentir un peu de temps. Donc c'est pas négligeable. Vous avez aussi des entreprises ou des gens qui s'achètent des organigrammes qui vont acheter à l'étranger pour être sûr que quelqu'un de leurs employés ou autres puisse pas trouver facilement en France les ébauches, les clés vierges. Donc ça peut être une méthode. Mais bon, l'idéal c'est quand même d'avoir des clés qui soient protégées légalement puisque les clés minutes ne permettent pas la possibilité d'avoir ces clés vierges. Troisième élément, de cacher ses clés. Simplement, si quelqu'un peut prendre en photo le passe général, il va gagner énormément de temps. Donc, il faut considérer qu'une clé, c'est comme un code. C'est comme si, quand vous prêtez la clé à quelqu'un, c'est comme si vous lui disiez, bah tiens, le code de mon ordi, c'est AZERTY. Mais quand t'as fini, t'oublies. Hein, parce que vous, on perd, c'est jamais. Voilà, c'est exactement la même chose. Une clé, c'est un code, c'est un mot de passe. Il ne faut pas, dans l'idée, il ne faut pas la prêter. Ou alors, il faut avoir confiance avec qui on la prête. Ce qui va jouer aussi, c'est la combinaison du passe. On disait tout à l'heure que des fois le passe il est très peu taillé, ou au contraire complètement taillé. Ça facilite l'ouverture. Donc évidemment, la bonne idée c'est d'avoir des combinaisons assez profondes, mais au moins une qui est toujours moins taillée que toutes les clés de l'organigramme. Comme ça, on est sûr à 100% que personne ne peut modifier sa clé pour devenir un passe. Sauf en rajoutant de la matière, etc. Mais là, ça devient hyper compliqué, c'est le cas aussi. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et une dernière chose qui peut être envisageable, après prendre avec des pincettes, c'est de rajouter de l'électronique, aussi bien sur les cylindres eux-mêmes. Le problème actuellement, c'est qu'il n'existe qu'un cylindre électronique en peu de source, donc on ne sait pas comment c'est fait, et on ne sait pas si ça peut être debout ou quelque chose dedans, on ne sait même pas si c'est bien fait. Et on peut aussi rajouter de l'électronique au sens large, c'est-à-dire des caméras, des alarmes, il ne faut pas reposer toute sa sécurité sur le système électronique. Voilà, donc là c'est des sources de nombreuses images, des inspirations, des informations. On a l'impression d'être des questions. Et là c'est bon. On espère que ça vous intéresse. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui n'ont rien compris déjà? Non, ça va. Il n'y en a pas. Des questions peut-être? Ouais.
ça se fait bien, mais parce que t'as parlé de meuleuse au début, ça sonne plutôt comme détruire le cinéma, ça. Alors, un attaquant, il va en avoir à peu près rien à foutre que le cinéma soit en bon état après. Donc, tu reprends l'exemple du local poubelle, il le vole, il le dépose chez lui, il fait ce qu'il veut, il nous fait la poubelle, il se met le passe, il vient nous rayonner, nous voler des infos. Après, dans le cas du mec qui est dans une chambre d'hôtel, qui est stagiaire, et qui veut démonter le cylindre de sa porte et le remettre, ça se fait assez bien sur les modèles standards. Tous les modèles à clé plate, ça se fait très bien. Sur les modèles avec des clés à trous, c'est plus compliqué, mais ça se fait généralement assez bien. Et au pire, il y a la possibilité par les dépens de laisser très peu de boucliers intérieurs. Si on avait 15 d'origine, on laisse que 3 ou 4, ça ne fonctionne pas toujours. La porte n'importe quelle clé va fonctionner, mais personne n'essaye une clé sur une serrure qui n'est pas censée faire. En fait, il y a assez peu de chances que quelqu'un soit coupé. Donc, globalement, ça se fait assez bien pour un coupé. Des questions ? Là-bas, peut-être, non ? Oui ? Non ? C'est bon ? Merci beaucoup.